Les tutoriels de Mozilla. Outre les livres interactifs, la mallette de l'heure du compte numérique se compose de matériel contenu dans une sacoche pour ordinateur portable. Vous trouverez tous les câbles nécessaires dans la poche avant de la sacoche qui contient également deux blocs d'alimentation. À l'intérieur de la mallette, on trouve une tablette tactile et un chiffon microfibre, également un picoprojecteur, ça sert à projeter l'image, et une enceinte sans fil pour le son. L'iPad se recharge en suivant le circuit gris à l'aide du bloc secteur et du câble blanc. Son autonomie est grande. La charge complète peut prendre 5 heures si l'appareil est complètement déchargé. L'indication de charge se lit à l'écran en haut à droite. Il est recommandé d'éteindre complètement l'appareil plutôt que de le mettre en veille après chaque utilisation. Pour ce faire, il suffit de rester appuyé quelques secondes sur le bouton marche arrêt jusqu'à voir le bouton éteindre à l'écran et le coulisser. L'enceinte sans fil se recharge en suivant le circuit orange. En réutilisant le bloc secteur de l'iPad, on ne peut pas charger les deux en même temps, l'un après l'autre, et un câble noir qui est aussi repéré en orange. L'autonomie de l'appareil est assez grande, sa charge complète peut prendre jusqu'à 3 heures. Si l'appareil est complètement déchargé. L'indication de charge est annoncée en allumant l'enceinte. Batterie charge normale. Quand l'enceinte est déchargée. Batterie faible. Et un message indique batterie complètement chargée quand elle est complètement chargée. Le picoprojecteur se recharge en suivant le circuit vert à l'aide de son bloc secteur, du câble USB-C penché au dos de l'appareil. L'autonomie de l'appareil est assez faible, c'est environ une heure de projection maximum en pleine charge. La charge peut prendre jusqu'à 4 heures pour être complète. Et c'est vraiment un appareil qu'il faut charger complètement si on veut l'utiliser en mode sans fil. Sinon, il faudra utiliser l'appareil connecté avec son bloc secteur, ce qui est beaucoup moins pratique pour une séance d'heure du compte. Le témoin de charge est indiqué avec des LED. On le vérifie en appuyant sur le bouton on-off, marche arrêt, là on voit deux LED et là la quatrième est en cours de charge. Quand elle termine de clignoter, l'appareil est complètement chargé. Comment connecter les appareils et les régler pour une séance d'heure du compte? Pour allumer la tablette, on maintient le bouton on-off. Appuyez quelques secondes. Pour projeter l'image, on relie le câble HDMI et son adaptateur. À
à la tablette et au picoprojecteur. Il faut suivre le circuit jaune. On allume le projecteur en maintenant le bouton marche arrêt appuyé quelques secondes. Alors ensuite, il faut choisir un support stable et jouer avec les deux parties articulées de l'appareil pour positionner l'image par rapport soit à un écran, soit à un mur blanc. L'ajustement en géométrie se fait automatiquement. Et ensuite, il faut plus ou moins approcher ou pivoter l'appareil pour obtenir une image à peu près rectangulaire. Une fois qu'on a obtenu la taille de l'image et sa forme, on règle le focus à l'aide d'une petite bague, d'une petite molette sur le côté de l'appareil. On joue afin d'obtenir une image nette et d'arriver à lire à l'écran les textes projetés. Si la séance d'heure du compte dure plus de 45 minutes, il faut éventuellement envisager de brancher l'appareil sur secteur, comme nous l'avons vu dans la séquence précédente. Le picoprojecteur possède un haut-parleur, mais nous déconseillons fortement son utilisation pour économiser la batterie. Pour diffuser le son par enceinte sans fil, il faut vérifier l'appairage entre l'enceinte et l'iPad. Pour ce faire, il faut allumer l'enceinte. L'enceinte dit qu'elle est connectée à l'iPad, ce qui ne veut pas dire que le son sorte forcément sur l'enceinte, parce que le picoprojecteur a tendance à prendre la priorité par rapport à l'enceinte. Dans ce cas-là, pour vérifier, on lance une application. Si on n'a pas de son, on vérifie qu'on est bien avec du volume en appuyant sur plus au niveau de l'enceinte. Et si on n'a toujours pas de son, on réappaire l'enceinte avec la tablette en appuyant sur le petit bouton entre le plus et le moins de l'enceinte. Assez puissant et de bonne qualité. Retrouvez d'autres vidéos sur la chaîne et pensez à vous abonner.